welcome to this new video from Edinburgh. Nous sommes à Édimbourg. Regarde-moi ce soleil, regarde-moi cette ville. Et je suis donc en direct et je voulais justement profiter de ce mois de novembre pour te dire ce deuxième conseil qu'il faut absolument que tu mettes en place si tu veux parler anglais. Donc on est à Édimbourg pour le Bilingue Club, c'est donc cette formation que j'organise pour les membres de mes formations. Si tu en fais pas partie, ça va vraiment t'intéresser parce que c'est le moment où les gens débloquent tout, c'est le moment où les gens se mettent à parler, c'est le moment où les gens... Attends, je prends la sangle, elle est en train de voler. C'est le moment où les gens sont dans une immersion totale et parfaite, c'est le moment où les gens visitent et sont obligés de parler. Et alors que j'ai parlé il y a quelques jours de la régularité, et si tu n'arrives pas à être régulier, la vidéo a dû te parler. Et bien là aujourd'hui je vais parler d'une deuxième clé, d'un deuxième secret qu'il va falloir que tu mettes en place pour réussir à parler anglais. Et en fait c'est incroyable d'écouter les histoires des membres de ma formation et surtout ceux qui sont venus au Bilingue Club, de voir comment est-ce qu'ils ont réussi à appliquer ce deuxième conseil. Ce deuxième conseil c'est quoi? Tu me demandes. Et bien en fait c'est de se débarrasser du regard de l'autre. J'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose qui cadenasse la confiance, c'est quelque chose qui te maintient la tête sous l'eau, de te totalement... Oh, there's my family, il y a ma famille qui passe. Hey boys, on est venus en famille, c'est ça qui est top. Il y a Noah et Joseph. Cool, you got chocolate? I'm finishing the video, is that okay? Et en fait, te débarrasser du regard de l'autre, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et je veux vraiment t'encourager à avoir cet état d'esprit en fait. Cet état d'esprit où tu te dis de toute façon, même si je fais des erreurs, je m'en fous. Mais ça ne s'acquiert pas comme ça. La confiance, elle vient pas du jour au lendemain. Sinon aujourd'hui, tu serais déjà presque bilingue. C'est quelque chose qui s'apprend. Et il y a des leviers à mettre en place. Il y a des leviers. Et c'est bien ce que j'ai envie de te donner cette année. J'ai vraiment envie que tu puisses, une bonne fois pour toutes, te débarrasser de ton handicap de ne pas maîtriser la langue anglaise, ton handicap de ne pas réussir à être confiant, ce handicap à ne pas gérer sereinement, fonctionner sereinement dans cette société où tu te dis « je dois maîtriser cette langue anglaise ». Et donc d'Édimbourg en direct, où je voulais juste te laisser ces conseils qui vont, j'espère, t'aider à te débarrasser du regard de l'autre. Et je te donne des exemples. Là, on peut parler de Laurent. Laurent est une personne qui travaille donc à la banque postale, qui n'a pas, selon lui, un niveau exceptionnel. Mais hier, il était dans un café, il m'a raconté là. Il était dans un café à Édimbourg et il a parlé pendant une heure non-stop avec des gens. Il a compris ce qu'il disait. Une conversation sophistiquée quand même. Moi ça m'a trop encouragé parce que je me suis dit c'est possible pour toi aussi. C'est possible pour toi. Et est-ce qu'il faut être forcément à l'étranger pour vivre ça? Non. Parce que ma formation va pouvoir t'aider. Et c'est bien ce que je vais te laisser. Attention, tu dois bien rester connecté. Je t'ai dit, je te fais quelque chose de très très gros, lourd pour le Black Friday qui va arriver dans quelques temps. Et c'est le moment pour toi aussi de te dire est-ce que j'ai envie de passer à la vitesse supérieure. Et je veux te laisser aussi avec ces images inspirantes derrière moi de la ville d'Édimbourg. Regarde-moi ça. Pas beau, bon, il y a un bus là, c'est moche, mais... Et te laisser ça, et je vais aller te montrer le château qui va être l'image de la fin pour cette vidéo, pour que tu puisses aussi te débarrasser du regard des autres. Comme moi là, tu vois, je suis en plein centre-ville, je me dis mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi là, regarde les gens là, qu'est-ce qu'ils vont... Mais en fait je m'en fous, je m'en fous total parce que je suis dans mon truc. Et aujourd'hui tu dois être dans cette même état d'esprit pour apprendre l'anglais. Tu fais des erreurs, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ouais, il fait genre, il a un accent, je m'en fous. Et tu t'en fous, tu dois t'en foutre et tu dois surtout progresser quoi. Et c'est vraiment le mot d'ordre quoi. Alors en plus d'être régulier, il faut avoir cette confiance en soi, ce regard pour affronter l'autre qui... Mais c'est un regard scolaire, hein, tu vois, en fait ça vient d'où ça? Ça vient de l'école qui te dit attention, si jamais tu te plantes, on va se moquer de toi, ne fais pas genre, je regarde à droite et à gauche, parce que tu sais, quand tu traverses les routes ici, il faut faire gaffe parce que c'est à l'inverse. Et voilà, je voulais juste te laisser ces mots-là parce que c'est vraiment salvateur pour l'apprentissage de l'anglais. Et je vais te mettre une belle petite vue du château. Malheureusement, il y a beaucoup de... Juste derrière là-haut, là, il y a le château d'Édimbourg. Regarde ce soleil. Et voilà, écoute, j'espère vraiment que tu comprends ce que je veux te dire, que cette fin d'année 2020, elle est pour toi l'année où tu dois te mettre à apprendre l'anglais. Et de la bonne manière, et pour de bon. Et c'est pour ça que je te fais cette série de plusieurs vidéos. Le conseil 1, régularité. Le conseil 2, c'était donc affronter le regard de l'autre et se débarrasser surtout des jugements que les autres pourraient avoir sur soi. Reste bien parce que je vais te donner encore du contenu. On va augmenter d'un niveau encore pour avoir
la finalité, la finition totale pour réussir enfin à se débarrasser de cet handicap de ne pas savoir parler anglais. 2019 est l'année pour toi pour réussir à parler anglais. 2019, et ça y est, faut que tu t'y mettes. J'accompagne des centaines de personnes, des centaines de personnes réussissent à parler anglais. C'est possible pour toi, avec conviction, confiance. Je te retrouve très bientôt. Allez, speak to you soon. Moi, je vais aller visiter la ville. See you later.